Le Pérou est situé sous l'équateur. La cordillère des Andes le divise en plusieurs régions à climat différent. Pays où naissent les brumes et brouillards, terrain favori des orchidées. La selva ou forêt tropicale amazonienne est irriguée par l'Amazone supérieure qui prend sa source au glacier du Huacra. Nous sommes au mois de mars à la fin de la saison des pluies. La jungle péruvienne ne connaît que deux saisons aussi chaudes l'une que l'autre. La saison des pluies de novembre à avril, où les pluies sont torrentielles et les nuits fraîches. La saison sèche de mai à octobre, où il fait aussi chaud le jour comme la nuit. Champignons et moisissures contribuent à nettoyer des matières mortes et se développent à merveille dans ces zones humides. Les matières organiques rendent aussi leurs minéraux à la terre et servent de substrat pour une nouvelle vie. En raison de ces grandes variétés climatiques, le Pérou présente une très riche biodiversité. On y compte plus de 21 000 espèces de plantes et d'animaux, dont environ le quart est spécifiquement du pays. Deux mille sortes d'orchidées se développent au Pérou dans une multitude de microclimats. Elles y fleurissent par centaines, offrant leur nectar aux colibris et aux insectes qui assurent ainsi leur dispersion. La forêt tropicale est indispensable à notre survie. En tant que poumon vert de notre planète, elle ne fait pas seulement partie de notre environnement, mais en est la source. Et cet océan de verdure fonctionne comme des milliers de panneaux solaires qui, en absorbant l'énergie solaire, peuvent transformer le CO2 en oxygène, ozone et hydrogène, et ainsi purifier l'atmosphère. L'évaporation de tonnes d'eau par le feuillage formé par condensation de nuages et de nouvelles précipitations, et ainsi le cycle continue. Les pluies torrentielles amènent une telle saturation de l'air humide que les épiphytes puissent l'eau par leurs racines aériennes ou la récolte dans leurs feuilles. Les insectes doivent se mettre à l'abri au risque de se noyer. Ce groupe de chenilles brave ensemble la pluie. Des solitaires cherchent un endroit sec sous leur garde-manger et s'attaquent alors à l'aise à leur propre toit. Au moment de se chrysalider, ils cherchent un endroit tranquille. Certains n'arriveront jamais au stade de papillon. Une guêpe ichneumon a déposé ses œufs dans le corps de cette chenille. Les larves se nourrissent de leur hôte qui les amène en lieu sûr pour leur propre transformation en chrysalide. Le camouflage de ces chenilles tropicales peut prendre des formes et des couleurs dantesques, destiné à se cacher ou effrayer le prédateur.
les animaux adultes craignent la pluie et attendent patiemment une accalmie. La flore en fait une réelle fête où les orchidées brillent de tout leur éclat. Les orchidées sont vraiment partout. Elles peuvent être terrestres et pousser à même le sol, ou aériennes et s'accrocher aux arbres. C'est l'après-midi entre 3 et 5 heures qu'on a le plus de chances d'observer la danse nuptiale du célèbre coq des Andes. Il est bien caché dans la verdure, mais quand vous en avez trouvé un, vous en trouverez bien une douzaine. Les femelles ne sont presque pas visibles avec les robes brunes, mais les mâles les repèrent vite. Les journées comptent toute l'année 12 heures, de 6 heures du matin aux 6 heures du soir. Vers 5 heures tombe le crépuscule. Les nappes de brouillard se forment et la forêt tropicale se gorge d'eau toute la nuit. Afin d'aller observer les orchidées dans leurs différents biotopes et aux différentes altitudes, nous entreprenons une randonnée pédestre de 3 jours, dans la vallée sacrée au nord-ouest du Cusco. Acucho, c'est un mot quechua qui signifie aller. En quechua, vous allez écouter chaque fois, je vais dire acucho. Vous allez comprendre que je vous dis. Formant un groupe disparate de marcheurs du dimanche âgés entre 35 et 72 ans, nous entamons la plus grande aventure de notre vie, ayant sous-estimé la difficulté de l'entreprise. En 3 jours, nous devons parcourir les 30 km du chemin des Incas qui longe la rivière Urubamba. La vue des racines aériennes, enlacées autour des arbres, nous indique que cette région apparemment sèche est largement imprégnée de brume la nuit. Nous rencontrons effectivement 2 formes sauvages de variétés connues, comme la salvia et la pomme de terre sauvage. De par son microclimat particulier, la vallée sacrée était déjà connue du temps des Incas comme particulièrement fertile. Une température constante de 24 degrés durant toute l'année et une saturation permanente de l'air en humidité ont permis de faire plusieurs récoltes de maïs et de pommes de terre par an. C'est pourquoi les ruines des Incas se trouvent sur les flancs des collines et non dans les vallées. La terre fertile était trop précieuse pour la consacrer à l'habitat. Sur les hauteurs, les Incas étaient aussi mieux protégés des éboulements et tremblements de terre. Ces ruines ont été découvertes en 1911
par l'archéologue américain Hiram Bingham, qui découvrit également plus tard le royaume des Machu Picchu. Vers 16h30, nous arrivons au terme de notre premier jour de marche. Ce n'est qu'un avant-goût pour la suite. En raison du retard accumulé, nous sommes obligés de camper en pleine nature avec le parfum des bousses de vaches et des crottins de chevaux. Heureusement, il ne pleut pas. Il est 7h du matin. Il fait déjà chaud et les collines nous appellent. Nous devons rattraper notre retard d'hier, car à 6h ce soir, il fera de nouveau noir. La vue des premières orchidées nous récompense de nos efforts. Il ne s'agit que quelques-unes des 370 espèces qui poussent dans cette vallée. Elles sont accompagnées d'innombrables iris sauvages qui annoncent la fin de la saison des pluies. L'air raréfié et escalier escarpé et la divergence des intérêts nous divisent en petits groupes. Si l'ambiance est encore bonne, les interminables ascensions et descentes entre 2000 et 3000 mètres vont nous mettre à l'épreuve et nous renfrogner. Nos aînés le font à leur rythme, avec de temps en temps une main secourable. Le monde civilisé est loin derrière nous et nous nous enfonçons dans la forêt de brume. La rencontre avec cette beauté sauvage et ses fleurs de 15 cm nous coupe le souffle. Mais notre attention va aussi vers l'autre sorte d'orchidée, moins spectaculaire, mais chacune une petite merveille en soi. Une forte odeur de vanille nous conduit vers ce petit groupe d'orchidées. Ces épiphytes se retrouvent dans les forêts tropicales d'une grande partie de l'Amérique centrale et du Sud. Nous arrivons en haut d'un plateau qui offre à nos yeux un paysage tout à fait différent. Ces orchidées poussent aussi bien sur le sol que dans les arbres et même sur les rochers. L'apparition de plantes typiquement de montagne, comme les azalées, annonce la haute montagne. Nous redescendons vers la forêt de brume. Les forêts de brume sont comme des forêts tropicales, mais moins chaudes. Les nuages sont arrêtés par les montagnes
et offre un habitat unique à de nombreuses espèces d'orchidées. Leur présence ralentit notre allure plus que souhaitée. Nous ne pouvons pas nous empêcher de les photographier. Nous avons plus d'une heure de retard. Nous sommes épuisés. Il commence à pleuvoir et bientôt il fera noir. Une nuit trempée nous attend. Il est 6 heures le matin. 14 rescapés sur 20 vont continuer l'aventure. Les autres prennent le train jusqu'à la destination finale. Dans la lumière du soleil levant, se dresse cette orchidée de plus de 3 mètres comme une parure de perles, dans un paysage irréel, noyé dans la brume. Nous entrons dans un monde végétal unique où les innombrables racines tissent un réseau qui retient l'eau et freine l'érosion. En dépit d'un dénivelé de 1000 mètres, nous nous sentons en sécurité dans ce lieu idyllique. Monter et descendre ces incombrables marches incas devient plus difficile. Et nos muscles, tendus et fatigués, protestent de plus en plus. Une vieille légende inca raconte l'amour entre une jeune princesse inca et un jeune guerrier inca. Lorsque cet amour a été interdit et que la princesse fut obligée de se retirer pour vivre comme prêtresse du temple, son chagrin fut si intense que les larmes se transforment en cette orchidée d'un rouge inca. Dans le brouillard apparaissent les curieuses ruines appelées « Jeunesse éternelle ». Elles ne furent découvertes qu'en 1941 et conservées presque intactes. Cette place avait sans doute une position stratégique du temps du royaume Inca. De nos jours encore, elle sert de point ralliement par toutes les randonnées pour le chemin des Incas. Les rangées des maisons étaient reliées entre elles par des escaliers escarpés et des fontaines. Et nous le sentons. À cette altitude et à notre âge, nous devons tous les 10 marches reprendre notre souffle, et ceci jusqu'à ce que les 200 marches soient franchies. Le guide nous promet que ce sont les 50 dernières marches afin de nous redonner du courage. Nous aurions déjà pu savoir que c'était un petit mensonge de volonté. Nous sommes presque au but. Nous trébuchons sur la porte de soleil et sommes à peine encore en état d'admirer une des célèbres merveilles du monde. C'était pourtant le but de notre voyage, le fameux Machu Picchu, la ville secrète des Incas.
la ville de Machu Picchu fut construite sur des flancs d'une montagne couverte de blocs de granit. Pour construire ici leur cité, les Incas devaient veiller à l'ancrer sur un terrain instable. La solution se trouve devant nous. Ils creusèrent des centaines de terrasses dans le flanc de la montagne. Ils couvrirent la superficie de 12 terrains de football. Ces terrasses innovantes ont procuré un espace exploitable sur la montagne. Sur ces terrasses furent cultivées des plantes, servant de nourriture et pour leurs cérémonies. Les terrasses étaient bordées de petites maisons de garde. Autrefois, elles étaient couvertes de toits de chaume, les protégeant de la pluie et du vent. Ces toits devaient être solidement amarrés. Les Incas utilisaient pour cela des cordages solides et des chevilles de pierre. Entre les terrasses se trouvent de curieuses constructions, des temples pour des dieux, des maisons et des salles de bain, ainsi qu'une grande plaine pour les rassemblements et les jeux. Tout cela construit avec des milliers de pierres parfaitement emboîtées, les unes dans les autres. Ces pierres étaient taillées à la main et posées exactement à leur place. Certaines pèsent plus de 20 tonnes. Mais ce qui caractérise le plus leur style architectural, sont leurs châssis en pierre, des portes et des fenêtres. La forme typiquement trapézoïdale des portes et des fenêtres nous ramène au temps de gloire des Incas. Ils ont été fabriqués et placés pièce par pièce par les tailleurs de pierre sans utiliser de mortier ni de ciment. On entend très souvent dire que même une lame de couteau ne passe pas entre les pierres. Rien ne passe. Il est presque impossible d'arriver à ces résultats à la seule force de l'homme équipé de simples outils. Et pourtant, ils l'ont fait. La combinaison unique entre ciel, montagne et rivière a suscité chez les Incas un intérêt religieux central. Cela en a fait un lieu unique où l'empereur Pachacuti pouvait adorer les dieux. La forme de l'escalier symbolise la terre-mère, la Pachamama. Le temple du soleil fut utilisé comme observatoire. Mais il y a un côté plus sombre. À ses pieds se trouve un mausolée où étaient conservées les momies. Au moment de l'équinoxe, on essayait d'attacher le soleil à l'Intihuatana, ou le poteau du soleil. L'empereur Pachacuti a choisi cet endroit car il était plus près des dieux. Mais pour être fonctionnel, il devrait abriter plus de 1000 personnes qui avaient toutes besoin d'eau. Machu Picchu se trouve à 450 mètres au-dessus de la rivière Urubamba. Une paroi de granit grimpe jusqu'au ciel. La brume s'y condense et forme une source qui est guidée vers le centre par un système de canaux. À peine 100 ans après la construction de Machu Picchu, les Espagnols sont venus piétiner de leurs chevaux et leurs canons le royaume Inca. Les conquistadores ne sont jamais arrivés eux-mêmes jusqu'à Machu Picchu, mais bien le fléau qu'ils ont apporté avec eux, la variole. Des millions de personnes sont mortes, et le royaume des Incas s'est éteint. C'est en pleine ascension que cette ville fut abandonnée. Le temple principal ne fut achevé et sur le chemin on trouve encore les blocs de pierre qui n'ont pas pu être entièrement taillés. Machu Picchu, la ville sacrée des Incas, cachée dans les montagnes, construite pour impressionner les dieux et les hommes, s'est enveloppée de brume durant 400 ans
jusqu'à ce qu'un archéologue américain, Hiram Bingham, la découvre en juillet 1911, en traçant son chemin dans la jungle. Le reste est de l'histoire.